L'image d'Ingrid Chauvin est presque indissociable de TF1, en décrochant l'un des rôles phares dans la série Femmes de loi. Diffusée de 2000 à 2007, elle est devenue une vedette du petit écran. Depuis, elle ne l'a jamais vraiment quittée. Après Dolmen en 2005 ou La Main Blanche en 2008, elle a hérité d'un rôle récurrent dans la série Demain nous appartient, en juillet 2017. Elle y incarne Chloé Delcourt, une professeure de SVT qui, au début de la série, a quitté son mari Alex Bertrand, incarné par Alexandre Brasseur, en apprenant qu'il l'avait trompée. Depuis, les deux acteurs ne tournent donc que très peu de scènes ensemble, ce qui n'est pas vraiment pour leur plaire. Devenus amis, ils ont pris beaucoup de plaisir à se donner la réplique. J'ai la frustration de ne plus avoir de lien avec Alex en ce moment, avait ainsi regretté l'actrice de 47 ans dans les colonnes de télé Loisirs. Mais pour leur plus grand bonheur, leur personnage se rapproche ces derniers temps. Dans l'épisode diffusé ce mardi 24 août, Chloé et Alex ont eu l'occasion de s'expliquer sur leur séparation douloureuse. L'occasion pour les deux personnages de se retrouver un peu. De là à ce que leur couple reprenne de plus belle, ce n'est malheureusement pas à l'ordre du jour. Dans tous les cas, leur relation ne sera plus jamais la même. Ils ont frôlé la mort. S'ils devaient redémarrer leur histoire, ce serait différent. Pour l'instant, leurs retrouvailles seront centrées autour des enfants, répond Ingrid Chauvin à Télé Loisirs. De son côté, Alexandre Brasseur se montre tout aussi terre à terre, ce sont avant tout des parents. Ce drame pousse Alex à tenter quelque chose et à parler à cœur ouvert. Il peut lui dire ses regrets et tout le bien qu'il pense d'elle. C'est une urgence vitale pour ces deux-là. Affaire à suivre.